Wendy, Marine, on y va. Bon, on y va, la vidéo sur Studio Bubble Tea qui va commencer. Oh, Calici Athéna. Oh bon sang, ça fait longtemps que j'ai pas entendu papa et ma sisters. Je vais voir ce qu'ils font. Ça va, Athéna? C'est pas à cause de moi qu'ils ont arrêté de parler, quand même. Je vais réessayer. Vous êtes vraiment pourris! Vous êtes trop méchants! Tout ça parce que vous comportez contre moi! C'est ça? Je vous T'as vraiment envie qu'on cherche une idée de cadeau pour l'année de ta sister, Calice? Moyen. Oh, la boule d'énergie. Boulette. Oh là là. Calice ou Calice? J'ai une giga bonne nouvelle. Waouh. Si t'as besoin de massage, je suis une super pro. Regarde, en plus j'ai fait des tarifs de dingo. Pas envie. Mais si, ça vaut trop bien le coup. 5 centimes le massage des pieds, 3 centimes le massage du dos, 2 centimes la tête, et pour les coudes et les genoux, c'est gratos. Je suis occupée là où t'aurais pas remarqué. Alors zou, du vent. Laisse-moi te montrer. Je me suis entraînée sur Doudou, il m'a dit que j'étais trop douée. Alors, par quoi je commence? Oh, m'énerve. Ah, j'y crois pas. Mon dos va très bien, alors fiche-moi la paix et va jouer à Cola Maillard sur la falaise. Pour la première séance, je te le fais gratuit si tu veux. Alors toi, si je t'attrape... Oula! Faire de la peinture sur les murs du salon, je l'ai déjà fait quand j'avais 6 ans. Faire des cocottes et des avions en papier avec les factures de papa, je l'ai fait aussi. Mettre du colorant sur la brosse à dents de papa, un de mes grands classiques. Raser le nounours. Je le faisais au moins une fois par an. J'en ai des tonnes encore à te raconter si tu veux. Allez, à ce soir. Des tonnes.
papa. J'avais toute une liste de bêtises à faire. Si tu pouvais me barrer celle que Calice a déjà faite, ça me ferait gagner du temps. Hein? Une liste de bêtises? Qu'est-ce que t'as dans ta petite tête, toi? Tu fais que des bêtises, déjà. Non. Qui? Non. Si je gagne la partie, tu me donnes mon cadeau d'anniv, d'accord? Non, soucis. 1-0 pour Calice. 2-0. 6-0. 7-0. 9-0. Attention, balle de match pour Calice. Athéna au service. Et match pour Calice. Si j'arrive la première, je pourrais avoir. T'inquiète. Ok, les filles, vous êtes prêtes pour la course de trottinette? Ouais. Attention, 3, 2, 1, action! Et la gagnante est. Calice! On dit que j'aurai mon cadeau si je gagne? Mais oui, vas-y, commence. Yes, yeah, bravo Calice. Si tu fais tomber la balle, j'ai mon cadeau. Ok. À toi. Wouh. Ouais. Eh bien Calice, t'as encore gagné. Comme d'habitude. Et c'est comme ça tous les jours depuis son année. Mais ça fait plus de 3 mois déjà. T'abuses Calice. C'est elle qui tient à la voir en me battant à une épreuve. Mais je crois qu'elle finit par s'en lasser, là. Calice, si j'arrive à être plus petite que toi, j'ai un cadeau. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre aujourd'hui? Non, pas celui-là. Peut-être le bleu. Non, il est trop bleu. Le vert, ça va pas avec tout. J'ai vraiment rien à mettre sur le dos. C'est la suprême loose. J'hésite. Le violet, je l'ai déjà mis 2 fois ce mois-ci. Et le blanc, il me sort par les yeux. Calice, dépêche-toi, on va vraiment arriver en retard. Bon, tant pis, ce sera le rouge une fois de plus. Calice! Oui. Tchoum tchoum licorne, j'ai déjà pris 2 fois ce mois-ci. La minou, il me sort par les yeux. Et puis œuvre Freddy, il va pas avec tout. Pff, c'est la méga loose. Athéna, on va arriver en retard. J'ai passé des journées à tout bien préparer. D'abord, attendre que ma sister se roupille pour entrer dans sa chambre. Faire comme si j'étais sous ma labule et lui piquer son journal d'intime.
savais que c'était une idée trop chouette. La preuve que c'était une bonne idée. Calice, je vais la piquer.